Ok, merci, bienvenue à cette présentation où on va essayer de parler de l'information géographique libre, la géomatique libre, donc aller au-delà de Google Maps qui est pas un standard mais qui est quand même vachement utilisé. Le lien vers la présentation c'est celui-là, donc ça c'est mon nom de famille, Framasoft parce que je suis chez Framasoft pour commencer. Mais je vais aller vite parce que j'ai pas trop de temps. Alors qui je suis ? Moi je suis géomaticien, donc je fais de la cartographie, du traitement de données géospatiales à l'université Gustave Eiffel le jour. Et la nuit, je suis membre de l'association OSGEO France francophone, la nuit et le week-end. Et donc qu'est-ce que c'est l'OSGEOFR ? Donc c'est un chapitre local de la fondation OSGEO, et cette fondation a la vocation à promouvoir dans le domaine du géospatial libre les logiciels, les données, les standards et l'éducation. Donc des supports de formation et d'auto-formation pour utiliser les logiciels, les données et les standards de la communauté. Plus d'informations sur le site de l'association, osgeo.fr. Et maintenant, on va parler un peu carte. Voilà. Parce que Google Maps, Maps, ça veut dire carte, hein, c'est dans le nom. Donc à la base, c'est une carte. Alors qu'est-ce que c'est une carte ? C'est un document qui est graphique et qui va représenter un espace géographique. Et dessus, on va représenter un certain nombre d'informations. Donc c'est un document graphique qui va être vecteur d'informations. Mais il faut que ce soit rapidement lu et facilement lu. S'il y a trop d'informations, vous n'allez pas arriver à lire la carte rapidement, c'est pas possible. Et donc, cartographie, en fait, c'est faire des choix. Donc, en France, on a un manifeste des cartographes qui a été créé. Il y a trois. Alors, il y a plus d'articles, mais il y en a trois qui sont importants dans le cadre de cette présentation. C'est-à-dire que pour que notre carte elle soit lue rapidement et simplement, il faut simplifier l'information. Il faut la sélectionner, on ne va pas tout mettre, on va chercher l'information qu'on va afficher et on va la hiérarchiser. On va dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est moins important. Qu'est-ce qu'on veut montrer et qu'est-ce qui va apporter du contexte pour comprendre ce qu'on veut montrer. Donc on fait des choix. Quand on est cartographe, quand on publie une carte, on fait des choix. Et donc la carte, c'est un outil éminemment politique. Et il y a un problème avec ce qu'on appelle le blanc des cartes. C'est-à-dire que comme on va faire des choix, il y a d'informations qui ne sera pas portée sur la carte. Alors pour plusieurs raisons, hein. Ça peut être parce qu'on n'a pas l'information. On ne peut pas cartographier ce qu'on ne sait pas. Ou parce qu'on a choisi de ne pas la montrer parce que c'était, on ne pensait pas que c'était pertinent pour le lecteur. Donc ce qui fait que la carte c'est un objet politique. Donc, par exemple, OpenStreetMap en ce moment refuse que vous faisiez... portier de l'information à caractère militaire sur le territoire de l'Ukraine. Parce que ça peut apporter de l'information aux belligérants. Donc pas sur OpenStreetMap en ce moment, sur le territoire de l'Ukraine, pas d'information militaire. Au propos du blanc des cartes, il y a des travaux de Mathieu Nouchet, donc un géographe à Bordeaux, Lumière Passage. Il a publié un livre, il y a une interview qui a été faite par la librairie Mola qui est très intéressante, où il présente bien mieux que ce que moi je vais vous faire sur le blanc des cartes. Donc je vous invite à aller regarder ça. Moi j'ai juste vous montrer un exemple, c'est la déchetterie de Brissouforge. Alors c'est T-Kane, un contributeur OpenStreetMap qui a un blog qui s'appelle Safer Bliss qui en a parlé. Donc je reprends son exemple parce que je le trouvais plutôt intéressant. Donc vous voyez sur cette photo aérienne de l'IGN. Donc ici il y a un grand parking, il y a une route là, ici il y a un grand bâtiment, on ne sait pas trop ce que c'est, ici un rond-point, donc ça c'est dans l'Essonne, la carte, voilà, image satellite, il se passe des choses. En 2019, quand T-Kane a fait son blog post, sur Google Maps il n'y avait pas grand chose, il y avait juste le rond-point, et puis cette boucle, et on ne sait pas pourquoi, mais c'est ça le blanc des cartes. Alors on peut se dire, le blanc des cartes, ouais, c'est Haïti, ça peut être en Afrique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'accès à Internet, peut-être pas beaucoup de contributeurs. Mais non, mais ça c'est en France, c'est en région parisienne. Et je suis allé regarder Google Maps en 2023, c'est guère mieux. Par contre, si on va sur OpenStreetMap, dès 2019, il y avait déjà des contributeurs qui avaient renseigné, donc là c'est une déchetterie. Bon, visiblement, le grand bâtiment c'est une déchetterie.
Ça, c'est le parking de la gare autoroutière de Brissoufforges. Ici, on voit qu'il y a un parking vélo, c'est des arrêts de bus. Donc, le OpenStreetMap, la carte est déjà bien plus renseignée. Et pourquoi Google n'est pas allé là-bas? On ne sait pas. Peut-être pas intéressant d'aller à Brissoufforges. Bon, après, on peut aller regarder l'IGN, là, ça c'est en 2023. C'est pas bien mieux. Hein, on voit qu'il y a un gros carré, on ne sait pas quoi, mais il y a une boucle, on ne sait pas pourquoi. Alors, ce qui est rigolo, c'est que... Donc ça, c'est IGN Plan, c'est leur dernier... c'est un des leurs derniers produits qu'ils ont sorti l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises, qui est un plan pas simplifié, mais un peu plus allégé pour être plus lisible. Et J plus 1, en fait, c'est la version, la prochaine version. Ils ont intégré des modifications, et là, hop, il y a une aire de covoiturage, il y a une déchetterie qui vient d'apparaître. Donc c'est encore c'est la cartographie de Schrödinger, quoi. Ça existe, mais c'est pas encore là. Alors comment on peut éviter le blanc des cartes? Alors c'est un peu compliqué. Si vous n'êtes pas l'éditeur ou l'auteur de la carte, vous n'allez pas pouvoir changer grand-chose. Après, pour certains, dans certains domaines, j'ai oublié de lancer le chrono. Par exemple, OpenStreetMap, il y a l'initiative HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team, qui s'est créée, je ne sais plus à quelle année, quand il y a eu un séisme à Haïti, pour aider les populations locales à cartographier leur territoire. Donc c'est des gens, des cartographes, des contributeurs OpenStreetMap, qui se sont réunis, pardon, et qui ont commencé à cartographier ce qui existait, ce qui a été détruit, les points d'eau, tout ça, enfin... C'est super intéressant et ça continue encore. C'est-à-dire que là, il y a eu des tremblements de terre en Turquie et au Maroc. Et ben, HOT, ils s'activent en quelques heures, ils sont activés, ils commencent. Et c'est toute une organisation, c'est super intéressant. Mais là, c'est plutôt de la gestion de crise pour aider les locaux à intervenir sur sur leurs soucis et les secours. Et il y a aussi Carte ONG, donc qui est une association française aussi, qui aide, elle, à cartographier aussi les zones blanches, notamment en Afrique, via des mapathons et tout ça. Ils identifient des zones où il manque d'informations. Et toutes ces informations, ça va dans OpenStreetMap, hein, ça va pas dans Google Maps, ça va, c'est très très lié à OpenStreetMap. Alors on peut se poser la question, d'où vient l'information qui est présente sur Google Maps? Alors, on a tous vu passer des Google Cards, donc là, ils ont récupéré de l'information, forcément. Alors, peut-être qu'ils ont trouvé de la donnée qui était publique, avec une licence qui convenait à leurs besoins. Peut-être qu'ils ont acheté de la donnée. Peut-être qu'ils payent des gens aussi pour faire de la cartographie, à partir d'images satellites, mais bon, ils ne peuvent pas forcément tout qualifier. Il y a aussi les professionnels. C'est-à-dire, quand je parle des professionnels, c'est-à-dire les commerçants, par exemple, qui vont rentrer leur... Il y a toute une interface où les professionnels vont pouvoir dire, OK, ben, à telle adresse, j'ai mon commerce, je fais ça, mes horaires d'ouverture, c'est ça, ce genre de choses. Ouais. Je ne sais pas comment ils font, mais peut-être que oui, ils regardent où passent les voitures avec Android ou les Google... Enfin, les Android cars, je ne sais pas comment ça marche exactement. C'est un peu le problème de la boîte noire. Hein, et puis il y a aussi les utilisateurs qui, peut-être sans le faire exprès, vont transmettre de l'information. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois vous allez sur Google Maps, hein, je l'utilise, ça m'arrive, sur un commerce et vous allez avoir les pics d'affluence. Et là, comment vous savez qu'il y a des pics d'affluence? C'est le professionnel ou c'est parce qu'il regarde qui rentre et qui sort? Alors, ça se pose la question des données personnelles, les cookies, et puis éventuellement les trackers qu'ils ont pu mettre dans leur système. Mais là, il y a un double problème, c'est que c'est pas juste vos données personnelles, mais aussi votre position géographique et la temporalité. Ils savent que vous avez été dans un club pour adultes tous les samedis soirs pendant X années parce que vous aviez Google ouvert, quoi. C'est un peu triste. Et qu'est-ce qu'ils vont en faire de ça? Qu'est-ce qu'ils vont faire de ça? Est-ce qu'ils vont le revendre? Ça, on ne sait pas trop. C'est un peu obscur. Et ça reste dangereux. Alors ça, c'est un exemple. C'est nos... Alors, il n'y a pas que les militaires français, mais là, c'était un exemple des militaires français. Il y a beaucoup de textes, mais grosso modo, c'est pour illustrer qu'il y a une application pour les sportifs qui s'appelle Strava, qui permettait de voir les parcours des gens. Et les militaires, par définition, c'est sportif.
Et donc, il y avait des bases, notamment au Niger et au Mali, qui se voyaient bien sur la carte parce que ben, forcément, ils étaient toujours dans le camp, donc ils couraient toujours dans le camp. Donc, c'était, donc il y a une option maintenant pour pouvoir cacher ça, mais ça permettait de savoir où étaient ces militaires et à quel moment. Hein, parce que s'ils faisaient leur footing à 6h du matin tous les jours, aïe. Donc c'était dangereux, quoi, c'est extrêmement dangereux. Ça, c'est un exemple extrême, forcément, les militaires, mais Google, ils ont tellement une puissance de force impressionnante pour croiser des données que si vous, en plus, vous leur donnez votre position et dans quel magasin vous allez. Alors, quelles alternatives on pourrait avoir à Google Maps? Eh ben, je suis un peu triste de vous dire qu'il n'y a pas vraiment d'alternative complète. Mais par contre, si on regarde les services que nous rend Google Maps, on va peut-être pouvoir trouver des alternatives. Donc, je vous propose de décomposer ça en services. Si on veut calculer les itinéraires, OpenStreetMap, le site, vous permet de calculer les itinéraires entre une adresse et une autre. Ça, c'est assez pratique. Et vous avez aussi des applications type OSM Android et Organic Maps qui peuvent le faire. Donc ça, c'est deux applications qui sont sur vos smartphones. Et vous allez pouvoir dire... là, l'avantage, c'est que vous pouvez partir de votre localisation à vous. Ça, c'est assez pratique. Pour faire de la navigation, ben, forcément, le site OpenStreetMap, ça va être un peu compliqué, mais ces deux applications le font aussi. Donc, ça peut être de la navigation piéton, voiture, vélo. Je les trouve plutôt bien faites. Et l'avantage par rapport à Google Maps, c'est qu'elles fonctionnent hors ligne. Donc, si vous allez dans un endroit où il n'y a pas beaucoup de réseau, vous pouvez télécharger les données en amont. Soit parce qu'il n'y a pas de réseau, parce que vous êtes en montagne ou dans un pays où vous n'allez pas, pas aller avoir de 3G, 4G, 5G. Voilà. Alors, pour le Street View, c'est un peu plus compliqué. Le Street View, c'est vraiment un truc sympa. Des fois, je m'en sers quand je sais pas, j'arrive mal à trouver une adresse ou un bâtiment. Mais il y a une initiative qui s'appelle Panoramax. Donc, ça, c'est un géo commun. Donc c'est porté par l'Institut Géographique National et OSM France. Donc pour le moment c'est encore tout jeune, mais c'est des gens avec des caméras 360 qui ont géolocalisé des clichés. Et donc là on voit que la France commence à être couverte. Alors après c'est pas toute la France. Hein. La Corrèze d'ailleurs, il va falloir aller bosser. Hein. Je dis ça parce qu'il y a des Corréziens dans la salle. Mais voilà, et c'est porté à la fois par l'IGN et aussi par des contributeurs, tout un chacun. Si vous avez une caméra 360 degrés chez vous, même une caméra normale, je crois que vous pouvez quand même téléverser vos données. Je maîtrise pas le sujet, mais ça sera. Maintenant, il faut l'alimenter. Ça s'est lancé cette année. C'est tout récent. Donc, il va falloir qu'on alimente, et puis au fur et à mesure, on pourra se passer de Google Street View. Il y a Mapillary, je ne vais pas trop en parler parce que je ne maîtrise pas bien, mais il y a des histoires de licence, qu'est-ce que vous pouvez faire avec les photos et tout, vous donnez vos droits des photos, enfin c'est très très compliqué. Et puis la dernière fois que j'avais utilisé, ça, j'étais pas fou. Si vous voulez afficher des points d'intérêt, vous avez une page web, mettons vous avez un commerce et vous voulez avoir une page web avec un fond de carte pour dire où est votre commerce. Et ben maintenant, si vous ne payez pas une licence, vous avez Google avec un beau bandeau qui vous dit qu'il faut payer une licence. Ce que vous pouvez faire, c'est juste avoir Leaflet. Si vous avez un petit peu de connaissances en JavaScript, mettre Leaflet, un fond de carte, et puis éventuellement les quelques marqueurs, ça se fait assez facilement pour peu que vous fassiez du code en JavaScript. Et puis comme ça, vous pouvez l'intégrer dans votre site web simplement. Et si vous voulez créer des cartes que vous pouvez partager, donc là il y a UMAP, c'est pareil, ça a été porté par un développeur français à l'origine, et ça a bien marché. C'est un fond de carte avec quelques fonctionnalités, vous pouvez ajouter des marqueurs, quelques lignes et tout ça, et vous pouvez partager votre carte. Donc, c'est des outils cartographiques simples, mais ça a bien décollé pendant le confinement par exemple. C'est assez pratique. Si vous n'êtes pas géomaticien comme moi et que vous êtes pas domaine, vous voulez faire une carte simple et vous pouvez créer une carte et même la publier, quoi, parce que sur le site vous pouvez publier vos cartes.
Donc vous n'avez même pas besoin de l'héberger et tout ça. Donc plutôt pratique. Et si vous voulez faire de la cartographie d'édition, faire des supports papier qui sont un peu plus léchés, et pas juste avoir un screenshot de Google Maps avec un gros point rouge dessus, vous pouvez utiliser QGIS aussi, qui est assez, assez poussé. Bon, ça c'est un projet que j'utilisais, mais là pour le coup, QGIS c'est un logiciel professionnel. C'est un logiciel libre, donc vous pouvez l'utiliser, mais il y a un petit coup d'entrée quand même. C'est pas Blender non plus. On va relativiser, mais il faut comprendre ce que c'est qu'une l'information géographique, comment ça marche, les images, les données vectorielles, tout ça. Et hop là, en plus elle est fausse. Je vous remercie. J'espère qu'il reste du temps pour les questions. Vous pouvez me contacter sur Mastodon, l'OSGOFR est aussi sur Mastodon, j'aurais dû le mettre, mais j'ai plus trop de place. Et puis si vous voulez récupérer les slides, elles sont ici, le site de l'association est ici. Merci beaucoup. Pas de questions, tout va bien? C'était clair? Oui. Pour le truc où il faut une caméra 360, j'ai plus le nom, mais Panoramax. Ouais, on peut contribuer même si on n'a pas une caméra 360 ou pas, parce que ça se trouve pas oui. Partout, non? Je crois que oui. Si vous pouvez en parler, s'il vous plaît. Pour avoir fait l'essai la semaine dernière, ça marche très bien. Faut bien vérifier. Moi, je le fais avec Open Camera en vérifiant qu'il y a bien aussi les données d'orientation de la caméra, ce qui aide pour éviter de le recorriger derrière. Mais ça marche très bien. Ils l'ont implémenté l'année dernière. Et maintenant, on peut les déposer depuis l'interface web. Pour l'instant, c'est que sur le front web. Et il y a aussi une librairie Python pour gérer des plus gros stocks d'images, mais il n'y a pas encore d'application Android. Ça va bientôt venir, mais bon, c'est le début. Merci. Bonjour, merci pour la conférence. J'ai une question. Du coup, là, actuellement, tous les services sont un peu séparés sur différents outils. Est-ce qu'il y a un souhait, une initiative de, à un moment, les merger vers un seul outil, ou en tout cas de permettre qu'on les ait dans un seul outil à un moment? Je ne crois pas. Okay. Pas à ma connaissance. C'est vraiment assez compliqué. Déjà, rien que Panoramax, trouver des contributeurs. Et puis après, il faudra avoir la puissance de frappe de Google, quoi, et ça, on ne l'a pas. Ok, merci. Et, il y a un plugin Mapillary dans OSMend. Oui, probablement. Oui, il y a des choses qui se font. Après Panoramax et OpenStreetMap, il y a des liens puisque c'est des communautés. Enfin, c'est porté par l'IGN et OSM France. Donc forcément, il y a des liens, c'est des données qui sont reversées. Mais après, tout intégré, je ne suis pas sûr. Pas sûr. Et puis après, est-ce qu'on pourra avoir l'avantage de, par exemple, OSM Android et Organic Maps, c'est que vous pouvez pas avoir de la cartographie hors ligne. Mais si vous commencez à prendre la fonctionnalité Street View et télécharger toutes les photos sur un secteur, ça va coûter c'est lourd. Ça marchera pas. Quels sont vos échanges ou liens avec l'IGN, du coup? Est-ce que vous discutez avec eux? À quel titre? Moi, en tant que OSGO ou en tant Oui, que... en tant qu'OSGO, oui. Pas ces dernières années, mais il y avait des échanges aussi. On avait des membres de l'association qui étaient fonctionnaires à l'IGN. Ça nous arrive d'échanger. On organisait des conférences dans leurs locaux aussi. Du coup, est-ce que vous considérez qu'il y a duplication des efforts ou au contraire vous êtes sur des choses qui sont relativement différentes? Alors c'est pas le même objectif. L'IGN, c'est l'État et donc c'est publier de la donnée et de la cartographie.
c'est la vision de l'État. OpenStreetMap, c'est la vision de la communauté OpenStreetMap. Et c'est très bien qu'il y ait, et nous, on est là pour promouvoir le logiciel libre et les données libres. Donc on est très content quand l'IGN ouvre ses données. On est encore plus content quand la Météo France décide d'emboîter le pas. Ça, c'est récent. Mais on va pas leur dire, enfin, on va leur dire, s'il vous plaît, ouvrez vos données là, parce qu'on en a besoin. Mais on n'a pas de levier dessus, quoi. Là, on peut discuter. Et eux, ils ne s'intéressent pas plus que ça à ce que vous faites ou... Enfin, si, vous avez dit qu'il y avait des gens... Si. Alors, l'IGN, c'est un peu particulier parce qu'ils produisent des données, ils produisent de la cartographie, mais ils produisent aussi du logiciel libre. Il y a un certain nombre de logiciels qui sont produits, mais qui ne sont pas forcément membres de la communauté OSGEO, mais qu'on reconnaît, ils viennent présenter leur logiciel dans nos conférences. Après, c'est une administration, c'est très compliqué pour eux, quoi. Eux, ils ont le problème du financement. C'est-à-dire qu'à un moment, ils ne voulaient pas ouvrir leurs données parce que ça coûte cher à produire, ça coûte excessivement cher. Là, un survol aérien comme celui-ci, là, je vais revenir vite fait dessus, juste produire ça, ce type d'image de l'IGN, il faut faire passer un avion tous les 3 ans. Ça coûte très très cher. Et donc, tant que l'État français a dit, il y a eu la loi 2016 sur la souveraineté numérique, si je ne dis pas de bêtises, c'est ça qui les a forcés. Et l'IGN a dit, nous, on veut bien ouvrir, mais il va falloir payer. Et donc, c'est l'État français qui a dit, OK, on va vous donner une enveloppe plus importante pour pouvoir payer ces services-là et avoir une information géographique précise, de qualité, et mise à jour régulièrement. Donc, on est content quand ils ouvrent. Ça fait longtemps qu'on est, entre guillemets, on dit, ouvrez, ouvrez. Et ben voilà, on y arrive. Mais on peut comprendre aussi que ça coûtait cher et que. Qu'est-ce que. Voilà, il y avait d'autres questions. Il y en avait une aussi au fond là-bas, monsieur. Moi, j'ai fait une rando à vélo ou à pied. J'ai une trace GPX. Comment est-ce que je peux la partager? Et réciproquement, quand je suis dans un endroit, comment est-ce que je peux trouver des itinéraires qui sont recommandés? Cet été, j'étais en Les Vosges. Je me suis juste ouvert au OSMand, et puis je me suis fait mon truc à la main avec les sentiers que j'ai trouvés grâce à OSMand, effectivement. Mais est-ce qu'il y a des endroits qui recommandent des itinéraires voilà, pour remplacer, par exemple, des services propriétaires comme Visorando? Eh bien, j'en sais rien. Il doit y avoir des services ouverts. Côté vélo, il y a GeoVélo, et il me semble qu'ils sont basés sur OSM et ils font du transfert de données dans les deux sens. Donc si jamais tu dis, là, il y a des travaux sur cette voie-là, c'est retransmis à OSM. Il y a OpenCycleMap aussi, okay. Des cartes dédiées vélo. Après, spécialisé vélo, j'en sais rien, c'est vraiment très niche pour moi. Un autre outil qui peut être intéressant, c'est les cartes heatmap de Strava, notamment pour le VTT, puisque des fois, il y a des chemins qui existent sur les cartes, et en vrai, ils n'existent pas. Donc c'est superposition des activités, comme on a vu pour les militaires, et ça permet de voir quels chemins ont été utilisés. Et après, avec les paramètres, tu peux mettre juste les gens qui ont fait de la marche, du VTT, et les périodes également, des chemins qui peuvent être ne plus exister. Alors, pour le coup, Strava, c'est de la donnée en source ouverte, mais ce n'est pas de la donnée ouverte. C'est-à-dire que vous pouvez voir ce qu'il y a dedans, mais vous n'avez pas accès aux données derrière. Donc, à préciser, Strava, c'est un logiciel propriétaire. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est... Tout à fait. Il y avait monsieur là-bas au fond qui lave la main depuis tout à l'heure. Oui, il y a quelque chose que je trouve très pratique avec Google Maps, c'est que l'itinéraire prend en compte les données de trafic. Oui. Donc est-ce qu'il existe un équivalent libre de base de données de trafic? Pas à ma connaissance. Effectivement, il y a Google Maps qui fait ça, Waze aussi le fait, mais je suis pas au courant s'il y a des... Peut-être qu'un jour, il y aura... Mais c'est pareil, il faut une base de données, il faut des développeurs, il faut des contributeurs. Et puis, après, derrière, il faut l'algorithme pour traiter les données, pour dire, l'itinéraire va se rallonger, et ça va être... C'est pas le plus pertinent pour de passer là. Non, c'est vraiment complexe, une question. Bonjour. Comment OpenStreetMap fait pour gérer les conflits de territoire ou de région? Comment ils savent, par exemple? Alors,
Moi, je suis OSGEO, je suis pas OpenStreetMap. Mais je voyais que vous parliez un peu du sujet. J'en parle beaucoup parce que j'aime beaucoup et on est très proches. C'est deux communautés qui sont très proches. J'ai pas envie de vous répondre comment ils font. Si on a un contributeur qui peut le faire. Oui. Typiquement, sur des problèmes de frontières ou des conflits d'édition, bon, je vais en parler très très rapidement. Souvent, ça se gère très bien dans la communauté. Il y a des systèmes de... souvent, quand on va envoyer des changements, on va envoyer ce qu'on appelle un change set, donc un ensemble de changements. Et souvent, quand il y a des change sets problématiques, ça va souvent se régler au sein de la communauté, parce qu'on peut annuler ces change sets, n'importe qui peut le faire. Et dans certains cas un peu extrêmes où, justement, ça n'arrive pas à se régler au sein de la communauté, il existe un groupe de travail à la Fondation OpenStreetMap, qui s'appelle le Data Working Group, et qui va... des fois statuer sur ces points-là. Mais c'est vraiment plus ponctuel. J'en fais partie depuis 2 ans et c'est vraiment sur des sujets un peu spécifiques et même souvent avec un avis du board. C'est, bon, c'est toujours un peu touchy. Mais... Oui, voilà. Mais souvent, le plus souvent, ça se règle et c'est beaucoup, beaucoup de discussions avec la communauté. C'est pas juste un groupe de personnes qui va statuer là-dessus. Il y a Natural Earth qui est un autre jeu de données ouvert. Qui est édité par la Société Géographique Américaine. Eux, ils ont choisi un autre paradigme. C'est-à-dire qu'en fonction du pays où vous êtes, ils vont choisir les... Et donc, ils vont publier des jeux de données avec vue selon la France, vue selon la Chine, vue selon l'Inde. Voilà. C'est une façon de faire. Mais effectivement, les gestions des frontières, c'est très compliqué. Je crois que c'est réglé, mais on avait encore des soucis de frontières avec l'Italie jusqu'à l'année dernière. Donc voilà, et il y a des soucis, je crois, avec l'Espagne où c'est pas réglé encore. Pourtant, on a des pays où on n'est plus en guerre depuis très longtemps. S'il y a d'autres questions, ou de monsieur là-bas ? J'ai aucune notion du temps. Oui. Est-ce que vous avez des moyens pour, on va dire, systématiser les contributions des particuliers ? Et je pense notamment à un moyen de financement, de paiement en fonction des données qui sont rendues accessibles par des particuliers. C'est-à-dire donner une gratification ou... Non, c'est que du bénévolat. Hein. Sur Panoramax, vous parlez ? De manière générale, non. C'est que du bénévolat. Okay. Après, il y a des boîtes qui ont facturé... par exemple, pour certaines orthophotos, donc là, c'est une source IGN, qui passe une fois tous les 3 ans, mais des fois, c'est pas assez pour certaines métropoles. Et donc, ils vont, faire appel à des prestataires qui vont refaire des survols plus récents, peut-être avec une meilleure résolution, sur des zones particulières. Mais sur des outils, Google Maps, on ne sait pas comment éditer la carte. Sur OpenStreetMap, si vous voulez éditer la carte, ben, c'est du bénévolat. Panoramax, c'est du bénévolat, si je ne dis pas de bêtises. Après ça, c'est de la donnée. Pareil, le logiciel libre, si vous voulez contribuer, vous pouvez le faire de façon bénévole. Ou monter votre boîte si vous avez des clients qui veulent faire implémenter des nouvelles fonctionnalités ou corriger des bugs. Mais j'ai pas... L'IGN, ils sont plutôt dans une politique de géo commun en ce moment. Et de créer des portails pour que surtout les professionnels pour le moment puissent faire remonter les erreurs, les modifications et tout ça. Et peut-être que ça sera ouvert, mais pour le moment ça reste du bénévolat et des discussions inter-services. Je vais pas m'étendre trop sur les jeux communs parce que c'est pas. C'est pareil, je suis pas IGN. Il faudra aller voir eux comment ça marche. Mais... Moi, je pense que c'est plutôt sur le fait de dire du bénévolat, un peu comme OpenStreetMap. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ? Monsieur là-bas. Je voulais demander qu'est-ce qu'il y a comme contrainte légale quand on fait ce genre d'activité ? Est-ce qu'il faut, par exemple, pour cartographier un chemin privé, est-ce qu'il faut demander l'autorisation du propriétaire ? Alors... Ça va dépendre. Si vous êtes sur le chemin et que c'est marqué que vous n'avez pas le droit d'entrer, ben, il ne faut pas rentrer. Par contre, si c'est à partir d'une photographie aérienne, là vous pouvez. Mais vous pouvez pas forcément. Là vous pouvez pas dire que c'est un chemin privé ou pas quoi.
là encore, je ne suis pas non plus un contributeur OpenStreetMap aguerri, donc je ne saurais pas vous dire comment ils peuvent aller regarder ça. Il y a le cadastre aussi, qui peuvent donner des informations. Si vous savez que c'est privé, vous pouvez peut-être le mettre, le taguer, le dessiner, mais le taguer privé, histoire qu'on ait l'information qu'il y a un chemin qui part là, mais qu'on n'a pas le droit d'y aller. Si vous ne savez pas, vous le cartographiez. Et puis, voilà. Il y a encore une petite question. OpenStreetMap est utilisé par plein d'applications propriétaires derrière, par exemple Komoot, et il y a beaucoup de chemins privés. Et ça m'est arrivé de mettre les pieds sur un chemin privé, de me faire engueuler, mais après tu peux aller dans OSM et dire ce chemin est privé, quoi. Donc il reste mappé, mais les logiciels derrière en sont conscients, quoi. L'avantage de ce genre de système, c'est que si vous voyez qu'il manque une information, par exemple que c'est un chemin privé, vous pouvez le dire. Que sur Google Maps, je sais pas si vous avez vu dans les journaux, mais des fois il y a des gens qui passe par-dessus une falaise parce que Google Maps leur a dit qu'il fallait aller tout droit. Dommage. Plus de questions ? Merci bien. Merci.